On a décidé de faire un portique pour installer les panneaux solaires sur le pont. Je ne l'ai pas fait faire parce que suite aux différents devis qu'on a fait, c'était beaucoup trop cher pour notre budget. C'était entre 2800 et 3000 euros le portique en inox. La solution, c'était de le faire nous-mêmes. 54 euros plus la peinture. La première étape, c'était de se rendre sur place sur le bateau pour faire un gabarit en bois. Donc on a pris toutes les cotes, toutes les mesures pour voir un peu ce que ça allait donner. À partir de là, on a ramené les pièces en bois chez mon pote Eric. L'idée, c'est de faire l'arceau en métal, parce que ça coûte trop cher en inox, et après je le repeins en époxy. On a pu faire les pièces une à une, leur donner la bonne courbure, et ensuite le but du jeu, c'était de les assembler une fois sur place pour les ressouder en situation. Il faut que j'arrive à découper le métal ici. Ce qui n'était pas évident, c'était de faire une belle courbure. Ce qu'on a fait, c'est qu'il fallait entailler le tube en métal de la même façon et de la même profondeur à chaque fois. Donc on a mis des petites cales et on a découpé section par section de façon à le tordre par la suite. C'est le moment de vérité. Et on l'a mis dans les taux et ça a marché du premier coup, on était comme des dingues. J'entaille ici, j'entaille en bas et je le refais donc sur place. Et après moi je vais ressouder ici. Du coup on avait plein de petites pièces qu'il nous a fallu assembler sur le moment. On a commencé par la base, puis on a monté échelon par échelon jusqu'à ce qu'on arrive au bout, et au bout ça fitait à pas grand chose, donc on a modifié un petit peu et le calcul était bon. On a réadapté, on a rejoint les deux mâts principaux en haut et ça allait. Donc là, la prochaine étape, ça va être de renforcer avec des barres latérales. On reprend cette mesure qu'on a d'écartement entre les deux, qu'on reporte un petit peu plus haut, puis on va le reporter plusieurs fois sur la barre. Donc maintenant, je vais me faire mes petites barres à la bonne taille. Étant donné que notre arceau il est en métal, il va falloir qu'on assure sur la peinture parce que ça rouille. On a disqué tout l'arceau pour que le premier là, que je suis en train de mettre, il accroche bien sur le métal. Les panneaux solaires, on est passé par Citronnier, qui est une boîte en Bretagne, qui nous a bien conseillé et on leur a parlé un petit peu de notre programme et de notre parcours. Ils nous ont conseillé du panneau solaire jusqu'aux batteries, en passant par la régulation de charge, tous les modules qu'il faut installer, qui permettent d'avoir une bonne charge des batteries. Bah pour l'instant ça tient, après on a fait des petites sorties, on va voir ce que ça donne dans le gros temps. Everybody's gone, we broke the sun.